Les Nocturnes littéraires 2009. Il fait un temps superbe. Nous sommes à la Ciotat, au pied de l'église. Voici Pierre Defendini, l'organisateur, à côté Marie. Et là, c'est sa fille, une brune ravissante. Me voici avec une lectrice. À mes côtés, nous découvrons Denis, toujours efficace, joyeux, charmant. Vous pouvez reconnaître Michel Quint, très apprécié, deux jolies femmes qui se font bronzer, et une belle lectrice rousse. Nous voici au port du Brusque, un autre soir. Je papote amicalement avec Michel Jacquet, devant Philippe Lemaire qui sourit à la caméra. Nous prenons l'apéritif, bien entendu, car nous buvons un petit vin rosé excellent et frais. Le soir, les lectrices affluent et lisent déjà avant d'entrer chez elles. À l'époque, il n'y avait pas de télévision. Vous habitiez Manosque, il y avait un cinéma avec des mauvais films, il n'y avait pas de télévision. Jeannot lisait 8 heures par jour. Il lisait un livre par jour, Jeannot, et il écrivait malgré tout 3 heures. Merci René Frény de nous avoir parlé de Jeannot. Les Marines de Cogolin. Tiens, j'aperçois Pia Petersen. Et Pierre Defendini accueille extrêmement bien les lecteurs qui se régalent. Ils se régalent de bonne nourriture et évidemment de nos écrits. Et je voudrais particulièrement remercier quelqu'un, même qui n'est pas venu de très loin, c'est Laurent Mallet, qui vient de Ramatuelle et qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Le soir venu, Michel Quint, Laurent Mallet et moi, nous sommes dos à la mer. On papote. Nous bavardons, nous rions, beaucoup de lectrices sont curieuses, elles viennent d'ailleurs de toute la France, elles sont en vacances. Et pour clore le tout, un feu d'artifice, en l'honneur des brunes, bien entendu.